Être surveillé, c'est le prix à payer pour la sécurité du peuple. Tu parles parce qu'on t'a collé une bouche sur la tronche. Tu es complètement folle. Tu es un rien. Un clone, un individu sans tête. Irresponsable. C'est toi qui sens le bétail comme ça? C'est infect. Remarque, les moutons défèquent en marchant, les pieds dans la merde et en avant derrière le bon berger. Amen. Je vois que tu t'es fait étiqueter. Bah oui, l'intégration avant tout. On est tous ensemble. Ton propos est lamentable. On se ressemble. Il y avait tout le monde, toutes les religions. Et toutes les couleurs. Vous, les Charlie, vous avez tous bonne conscience. Pourquoi distordre un moment spontané si émouvant? Les politiques se sont incrustés comme des punaises. Un détail comparé à ce qui nous a réunis. Un détail? Moi, j'y étais. Et ça sentait plutôt le beau parfum de la dignité que la puanteur des dignitaires. Quelle arnaque, cette langue de bois. Un poison. Bien fière que la nicotine. Enfin, Clara, t'es dignitaire. Digne de quoi? Elle pense être Charlie, alors qu'elle est récupérée. Tu veux savoir le sens du mot dignité? Prends le dictionnaire. État-major de la police judiciaire de Paris. Toutes nos lignes sont occupées. Nous vous prions de bien vouloir patienter ou appuyer sur étoile. Si vous ne voulez pas entendre ce message, faites-le. 1. I speak to the detached and unrealistic that were born normal but turned socially autistic. We resisted Homeland Security's mission because I know what they really envision. État-major de la police judiciaire de Paris. Alerte vigie pirate. On vous écoute. Bonsoir tout le monde. Hello there. Cet appel est bien enregistré, oui? Recorded by America Government? Oui, madame. Dupont, Clara, pour votre sécurité, le niveau d'alerte est maximal. Une patrouille se trouve à 462 mètres de chez vous. Si c'est pour signalisation, tapez 1. Si c'est pour alerte, tapez 2. Hier, j'ai appelé ma mère, tapez 4. J'ai acheté une bouteille de pinard, tapez 5. Nous ne comprenons pas votre message. Veuillez rester en ligne. Matricule 5254-13, pour votre sécurité, cet appel est enregistré. C'est ça. Bon, je signale la présence d'une trentaine de terroristes dans Paris. C'est bien ce service qui est concerné, matricule-13. 5254-13, madame Dupont. Gardez votre calme, vous êtes en sécurité. Madame Dupont. Oui. Bon. On va tenter de parler la même langue. Je cite Hachette. Vous connaissez? C'est un dictionnaire. Le terrorisme désigne soit des actes violents commis pour des motifs politiques par des individus isolés ou organisés, soit un régime de violence créé et utilisé par un gouvernement qui cherche à conserver le pouvoir face à des soi-disant ennemis intérieurs ou extérieurs. Responsable. Que te la provoque à deux balles? Pendant que tu y es, va leur dire que le terrorisme est une invention de la CIA. Tu es un clone de Dark Vador.
Petite, tu étais de mon côté. J'étais jeune et insouciante. Dit-il, sourde, aveugle et ignorante. Belle carrière. Rien de nouveau. On n'a pas retenu la leçon que la propagande nazie a infligée au monde. Non. La mascarade de la presse libre, ça fait sourire. Ça fait réfléchir. Torturez-vous toute la nuit si vous voulez. Mais on n'a qu'une vie, j'ai pas le temps. J'ai la chance de l'apprécier encore, notre démocratie. Il suffit que tu exprimes ta propre opinion pour être suspect. N'empêche que tu t'acharnes à la tâche. Un drone va m'assassiner préventivement, tu crois? Heureusement que je suis blanche. Merci mon papa, merci ma maman. Tu ferais mieux d'aller te coller Fissa, je suis Charlie sur le front. Vous avez besoin de quelque chose? J'ai fait le velouté que vous aimez. Non merci Gustavo, je fais le jeûne aujourd'hui. La vie est une rengaine dépressive. Un cauchemar orwellien sans fin. Le premier ministre français, le roi de Jordanie, le premier ministre turc, celui d'Israël, celui d'Arabie Saoudite, le ministre des Affaires étrangères égyptienne. Madame. Monsieur, je n'ai pas terminé. Ces gens-là sont très dangereux. Ils ont la mort de nombreux journalistes sur la conscience. Raif Badawi, Barrett Brown. Je fais appel à vous car vous êtes nos gardiens contre la terreur. Ces gens-là perpètrent contre l'humanité des choses affreuses. Madame Dupont, ne bougez pas de chez vous. Non, c'est pas possible, t'as pas fait ça. On dirait que oui. Non. Tu aurais voulu le faire. Prends le téléphone. Dis-leur que tu étais Charlie et que tu étais confuse. Bonsoir, messieurs. Madame Clara? I just feel like this place is beating me down. Comment les politiques peuvent-ils être à la hauteur des attentes qui sont immenses? Bien, Élise, en travaillant ensemble afin de déterminer sans hystérie ce qui n'a pas marché dans notre système de renseignement, sans se renvoyer à la figure la responsabilité des erreurs et des failles policières, et il y en a eu, en réfléchissant aussi en commun sur tout ce qui doit être amélioré, on l'a vu, et amélioré d'urgence, les écoutes, la surveillance en prison, la présence policière sur le terrain, autant de choses qui coûtent cher. Et enfin, que toute la gauche assume son véritable tournant sécuritaire et que la droite prenne le risque de la soutenir sans jouer la surenchère et les moulinets. On parle beaucoup depuis quelques jours, Nathalie, d'unité nationale, mais attention, toute la France n'était pas dans la rue hier. Non, Élise, faut pas faire preuve d'angélisme. C'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer, ceux qui, dans certains établissements scolaires,
ont refusé la minute de silence, ceux qui balancent sur les réseaux sociaux et ceux qui ne voient pas en quoi ce combat est leur. Eh bien, ce sont eux que nous devons repérer, traiter, intégrer ou réintégrer dans la communauté nationale. Et là, l'école et les politiques ont une lourde responsabilité. Objectivement, la journée d'hier était à haut risque. Nathalie, finalement, tout s'est bien passé. Oui, tout s'est bien passé. Il a noté qu'il n'y a eu aucune peur. On manifestait en famille avec les landaus et les poussettes. Et puis, on peut quand même noter que François Hollande, le président de la République, le plus impopulaire, le plus moqué de la 5e, eh bien, il a su se transformer en chef de la nation. Il a fait ce qu'il devait faire. Ce compliment est de... Nicolas Sarkozy, je crois. Eh bien, Élise, c'est peut-être ça l'esprit du 11 janvier. So, we must ask ourselves, what is the dictionary definition of terrorism? The systematic use of terror, especially as a means of coercion. But what is terror? According to the dictionary I hold in my hand, terror is violent or destructive acts, such as bombing, committed by groups in order to intimidate a population or government into granting their demands. So what's a terrorist? They're calling me a terrorist, like they don't know who the terrorist. When they put it on me, I tell them this, I'm all about peace and love. Peace and love. They're calling me a terrorist, like they don't know who the terrorist. Insulting my intelligence, oh how these people judge. Seems like the ragheads and packies are worrying your dad, but your dad's favorite food is curry and kebab. It's funny but it's sad how they make your mommy hurry with her bags, rather read the sun and study all the facts. Tell me, what's the bigger threat to human society? BAE systems or homemade IEDs, remote control drones killing off human lives, or man with homemade bomb committing suicide? I know you were terrified when you saw the towers fall. It's all terror, but some forms are more powerful. It seems nuts, how could there be such agony when more Israelis die from peanut allergy?